souvent que tu privilégies la beauté au caractère. Oui, c'est toujours bien après que tu te tapes le cul par terre. Souvent trop tard, tant pis pour toi, le mal est fait. Je l'ai déjà dit, je le redis, il te reste les yeux pour pleurer. Je prends mon voisin Henri, un vrai coureur né, quittant sa gentille femme Marie après 28 années. Pour partir avec la pin-up du coin au gros sein, à l'hélium gonflé, à souhait, poudre de perles et pimpin. Le paraître est bien éphémère, la sagesse est bien moins précaire. La plus belle fleur fait sa beauté, mais éternel est l'amour à jamais. Bienvenue Thierry Gaud. C'est du tout beau. Il est aux anges l'Henri, faire les bêtes au fer comme il faut. Fier comme un pape cochon, il se dit triomphant. Mais le paraître est éphémère et ne dure pas longtemps. Avec le temps va, tout s'en va, l'hélium s'est évaporé. Le ballon a dégonflé et la plastique est tombée, laissant place à un tempérament coléreux et aigri. Chose que ne soupçonnait pas du tout Monsieur Henri. Le paraître est bien éphémère, la sagesse est bien moins précaire. La plus belle fleur perd sa beauté, mais éternel est l'amour à jamais. Qui rit encore. Là, il s'est aperçu que tout ce qui brille n'est pas or. L'esprit a disparu avec un riche cadeau. Pensons à Marie, il vit tout pour la retrouver. Mais trop tard, car remarié depuis toutes ces années. L'histoire de ce couple croisé il y a quelque temps m'a fait penser à une fable apprise dans mon jeune temps. Un tiers, c'est certain, vaut mieux que deux, tu l'auras. L'un est sûr absolument et l'autre ne l'est pas. Le paraître est bien éphémère, la sagesse est bien moins précaire. La plus belle fleur perd sa beauté, mais éternel est l'amour à jamais. Hey, hey. Là, le loutin, foie, j'en peux plus. Toi, tu es un peu, ça va?